voilà, aujourd'hui encore une petite vidéo, petite astuce, en tout cas quelque chose de pratique. Comme vous venez de voir sur la vidéo, sur le début de la vidéo, Louis en train de couper tous des couniers, comme on dit chez nous en Belgique, donc des coins en fait, hein, des coins de blocage. Donc on a 13 portes à aller positionner là bien vite, enfin on espère s'en sortir parce qu'on a des soucis avec la finition et l'huile. Et alors nous on se fait un petit gabarit pour faire tous des débits. Je trouvais ça peut-être intéressant de vous donner la petite astuce. Donc nous on se coupe des carrelés de 45 de large sur 38 d'épaisseur. Mais après chacun fait en fonction du gabarit qu'il va réaliser. Donc ici on se fait juste une petite pièce qui est fixée sur la panoteuse avec une pièce de blocage au-dessus, une pièce de blocage sur l'avant, une entaille, mais je vais vous la montrer après. Et ensuite on vient positionner notre pièce de 45 contre une pièce martyre ici qui permet de bloquer la pièce entre le guide et la lame. Donc en fait faut juste, pourquoi est-ce qu'on a mis cette pièce là, c'est parce que si on se mettait au niveau du guide directement, ben, on ne sait plus introduire notre pièce dedans. Donc on a mis une pièce de décalage pour qu'on puisse justement, ben voilà, la pièce est bloquée, elle est bien contre, on avance et alors on vient débiter notre pièce. On est en totale sécurité puisque ni mes mains ni quoi que ce soit ne maintiennent la pièce. Le gabarit est fixé ici avec le serre-joint contre la panoteuse, mais ça pourrait se faire avec une scie, vous voyez, enfin les scies à chariot là, je pense que c'est des scies tables, moi j'ai jamais utilisé ce genre de table, mais vous pourriez très bien imaginer le même système sur votre table avec un gabarit de biais et vous avancez dans votre lame, c'est quelque chose qui peut se faire. Moi j'utilise le chariot de ma panoteuse, donc une fois que ce gabarit est fixé, on avance, là j'ai mis ma pièce dans le mauvais sens pour l'exemple, mais si je retourne ma pièce, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, donc je viens mettre ma pièce en butée, comme ça elle est totalement bloquée, elle ne risque pas de s'écarter et de partir en arrière par la suite. Donc on avance évidemment, bon là elle a été coupée, et a priori ça passe dedans, et vous faites votre petite coupe là tout le long, et vous avancez, et ainsi de suite, vous faites toutes vos coupes, vous prenez votre petit carrelet, vous venez mettre le suivant, et vous avancez, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que le gabarit a été réalisé? Mais ça, vous avez vu la vidéo juste avant, hein. Louis était en train de le faire en pratique, avec les morceaux coupés en deux, c'est pas évident. Donc le petit gabarit, ben, il est composé tout simplement d'une pièce de mélaminé, vous pouvez prendre du contreplaqué, vous pouvez prendre ce que vous voulez, nous on a pris une chute de panneaux, de placards qu'on a fait il n'y a pas longtemps, et alors on vient fixer, on vient faire une petite coupe, prenez votre pièce ici qui fait 45 mm d'épaisseur on va dire, hein, si vous faites une pièce de 50 mm, vous venez la présenter, vous faites un trait au milieu et vous venez la reporter sur votre panneau, d'accord? Donc si vous venez mettre votre pièce complète, en fait c'est exactement ça, on part de zéro, on vient faire l'angle, et alors on a un plat qui fait office d'arrêtoir pour pouvoir poser notre panneau. Ensuite on a fait une pièce avec une petite battée pour venir bloquer notre morceau de bois en hauteur, pour éviter que... ils repartent en arrière avec les mouvements de la lame, et alors celui-ci pareil sur l'avant de la pièce. Voilà, tout simplement. Alors, cette pièce guide, comme je vous disais, on vient la remettre en plus contre le guide parallèle pour nous permettre justement de venir insérer la pièce, parce que si on avait utilisé uniquement le guide comme butée, le problème c'est qu'après, vu que je devrais la rapprocher, je ne sais plus passer ma pièce entre mon gabarit en fait et le guide perpendiculaire. Donc il faut juste se prévoir, voilà, vous voyez, là je ne saurais plus mettre ma pièce, je ne sais plus la faire passer. Donc il faut juste se prévoir une pièce martyre ici, de surépaisseur, qui va un petit peu plus loin. Dans ce cas-ci, évidemment, bien penser, votre guide doit être soit au milieu de la lame, soit avoir la lame, pour éviter de coincer la pièce en sortie et qu'elle parte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire sur le gabarit, Louis. Alors au niveau du gabarit, ben voilà, pour vous donner une idée, faire ce genre de coin, donc je dis c'est toujours bien pratique, vous posez des châssis, vous posez des portes ou autre, on en a fait je sais pas combien, il y en a une centaine là. Oui, bon, on a mis à peu près 5 minutes, donc si vous prenez ça, vous mettez devant votre scie à onglet, vous commencez à faire des coupes, ben déjà c'est hyper dangereux, puisque c'est dans le sens du fil, hein, d'accord, c'est toujours dans le sens du fil, pas en travers du fil, sinon ça casse, et alors ça va vous prendre une demi-heure, une heure pour le faire.
Ça, c'était la petite astuce. Deuxième petit point que je voulais vous parler. Donc, j'ai entendu parler de la crème des boiseux la semaine prochaine. Alors, je trouvais ça super sympa, ça a l'air bien chouette, etc. Et ça m'a donné une idée, vous savez, mon côté un petit peu taquin, etc. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on ne lancerait pas notre petit week-end aussi avec ceux qui seraient intéressés de le faire? J'en ai touché un mot à Floki. Je vais essayer d'alpaguer Krebikerwald. C'est quelqu'un qui a aussi pas mal d'humour, j'ai cru comprendre, donc j'espère qu'il adhérera. Je pensais lancer le week-end de la crème des bouseux. Voilà, bah, c'est comique, hein. Bon, je sais bien, c'est un peu pompeux, la crème des bouseux. Bon, reste des bouseux, donc voilà. Et l'idée, c'est de vous demander de nous poster des questions ben, en dessous de la vidéo ici, ben, voilà, sur les galères que vous avez. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un assemblage, vous l'avez foiré, vous ne voulez pas recommencer la totalité de votre ouvrage. Ben, voilà, vous la posez en question et on essaiera de vous donner des petits conseils techniques, justement, sur les bouses, finalement, que vous avez réalisées ou les bouses dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, voilà, c'est un petit peu l'histoire. Le petit clin d'œil de nouveau un peu sympathique, voilà, côté parodique, etc. Donc, si vous trouvez que c'est sympa de créer ce petit week-end la crème des bouseux, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis j'attends vos questions. Voilà, j'espère que Floki et Krebikerwald adhéreront. C'est un petit appel et un petit clin d'œil que je leur lance. Et puis voilà. Allez, salut!